Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans À Poil. Je sais, le nom peut porter à confusion, mais je vous rassure, vous n'êtes pas en train d'écouter une conversation sur la nudité. À Poil, c'est le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin. Des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Au cours de cette première saison, nous allons explorer les nombreuses facettes de ce métier devenu glamour avec une variété de personnalités du monde de la gastronomie, des toques de cantines d'auteurs, de grands restaurants ou de tables d'hôtes cachées. Quel genre de chefs sont-ils? Ont-ils la création facile? Qu'est-ce que représente la cuisine pour eux? Pour ce premier épisode d'À Poil, je suis très 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 contente de recevoir Michel Sarran. La cuisine, ça, c'est ma vie un peu. Enfin, c'est mon métier, c'est ma vie, c'est mon moyen d'expression. C'est pas une passion, par contre. Souvent, on me dit, ah, c'est un métier de passion. Rien du tout, ouais. La passion, c'est dévastateur. Une passion amoureuse, c'est tout sauf bien, quoi. On souffre, on fait n'importe quoi. C'est pas raisonnable, une passion. Pourquoi Michel? Parce qu'il envisage la cuisine comme une façon de s'élever et pas seulement de se nourrir. Et je voulais vérifier si ce juré top chef était aussi sympa qu'il en avait l'air. Réponse dans l'épisode. Avec lui, nous avons parlé d'identité culinaire, de création, de l'effet top chef et de soupe de foie gras. Bonne écoute! Alors la cuisine, c'était pas inné chez toi? De site, tu dis que tu as fait du tourisme universitaire en fac de médecine. C'est comme ça que tu as commencé tes études. Et comment c'est venu la cuisine? Bah, la cuisine, c'est venu par ma mère, qui est très présente dans ma carrière. Effectivement, j'ai démarré des études de médecine, mais sans grande conviction et sans savoir les efforts que ça nécessitait. Alors, j'étais quand même pas un travailleur acharné. Donc, après avoir fait deux fois la première année, il fallait que je trouve un métier. J'ai passé plein de concours, sage-femme, collègue infirmière, voilà. Sans succès. Et ma mère a ouvert un restaurant, enfin une ferme auberge à ce moment-là. Et j'ai commencé avec elle, mais c'était pas du tout une passion. C'était, je crois que dans notre société, tout jeune adulte doit avoir un travail pour fonder une famille, avoir des enfants, s'assumer financièrement. Et bon, ça partait mal, quoi. Donc j'ai commencé la cuisine. Donc j'ai commencé d'abord en salle, et puis après je suis parti en cuisine. Et j'étais en train de prendre une orientation professionnelle sans savoir que ben un jour j'en serais là. Qu'est-ce qui a été le déclic? Le déclic, il est venu plus tard. Il est venu, donc j'ai commencé avec elle. Ensuite, je suis venu travailler dans un restaurant italien à Paris. Je découvrais la capitale. Tout ça, c'était très bien. Mais culinairement, j'avais pas de déclic. Et ensuite, elle est allée déjeuner chez Ducasse, qui était au Juana à l'époque. Elle a trouvé elle a passé un grand moment et elle a souhaité discuter avec Ducasse en me disant, voilà, j'ai un fils, tout est bien chez vous, il vous manque mon fils, quoi. En gros, c'était ça. Et Ducasse a dit, mais pourquoi pas, le profil de cette vocation un peu tardive l'intéressait, donc il est venu me voir à Paris. Et ensuite, il m'a pris en main, il m'a d'abord envoyé dans un restaurant, une étoile Michelin au Cap d'Antibes. Et là, je découvrais un univers que je ne soupçonnais pas, parce qu'en plus, nous, on n'avait pas cette culture de la restauration gastronomique. Moi, je suis fils de paysan. On n'allait pas dans les restaurants étoilés, c'était pas dans nos habitudes. Et donc voilà, j'ai commencé dans ce restaurant où j'ai découvert cette cuisine méditerranéenne, les poissons, c'était un grand choc. Et puis ensuite, j'ai commencé avec lui au Jeûna. Et bon, j'avais beaucoup de mal parce que j'avais pas la connaissance, donc c'était violent. Je me souviens que je pleurais pratiquement tous les jours parce que j'y arrivais pas. Mais bon, je me suis accroché. Et voilà. Et puis en même temps, donc je souffrais, mais en même temps, c'est là que j'ai commencé à voir ce que pouvait représenter la cuisine, ce que moi je considère aujourd'hui comme étant un moyen d'expression. Et ça me plaisait bien. Je suis bavard et j'avais envie d'un moyen d'expression qui puisse me permettre de raconter des histoires. Et justement, la cuisine a quand même toujours été présente dans ta vie à travers ta mère qui cuisinait. Oui, bien sûr, parce qu'elle avait fait l'école hôtelière, mais bon, après, elle avait abandonné son métier pour poursuivre celui qui allait devenir son mari et mon père. Mais elle était frustrée du métier, elle aimait ça. Et donc, elle se vengeait un petit peu sur nous, c'est-à-dire qu'on était ses cobayes préférés et elle adorait nous faire des bons petits plats. C'était une très bonne cuisinière.
Donc j'ai toujours été habitué à bien manger, à manger sain, à manger voilà une cuisine très très terroir, très mais déjà un petit peu travaillé, un peu revisité quoi quand même, et pas mal de raffinement. Donc on mangeait bien. Ouais. Est-ce que l'absence de formation, d'école, ça a été un handicap ? Non. Ça, je pense même que ça a été un avantage. Je suis pas un fan des. Enfin, j'ai un regard assez dur envers la formation et les centres pédagogiques en France, parce que finalement, le fait d'avoir commencé tard et d'avoir un niveau d'études générales minimum, qui est un bac plus bon deux ans de fac, mais enfin bon, ça m'a permis d'avoir quelques acquis. Je pense que c'est une nécessité aujourd'hui, même si ça change un petit peu, mais et après la formation professionnelle à faire directement sur le tas et dans l'entreprise, ça reste pour moi une très bonne formation. Surtout quand on a la chance de rentrer dans de bons établissements, ce qui a été le cas puisque j'ai travaillé avec Alain Ducasse et puis après Michel Guérard et après Michel Lorrain. Donc c'était quand même trois belles maisons. Est-ce qu'il y avait des chefs que tu admirais à tes débuts ? Déjà, il a fallu que je découvre un peu et que je lise beaucoup. Et Ducasse me disait, bon, t'as du retard, alors vas-y, lis un maximum de choses. Et il y a un chef qui m'avait marqué à l'époque, qui me marquait à l'époque, c'était Pierre Gagnère, qui était à Saint-Étienne. J'aimais cette façon un petit peu différente de concevoir la cuisine. Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois ? Donc être chef, c'est quoi ? C'est d'abord fédérer des équipes derrière soi et avoir un message fédérateur. Et puis c'est aussi s'affranchir d'un apprentissage, d'une formation et être capable de délivrer un message personnel. Alors quand est-ce que je me suis senti chef ? Donc, pour la première partie, pour fédérer, lorsque j'étais chez Lorrain à la Côte-Saint-Jacques, j'étais seconde cuisine, mais mon rôle était quand même de manager les équipes. Ça, je pense que je l'ai fait à ce moment-là. Après, j'ai pris ma première place de chef. Donc à un moment, j'ai décidé que oui, je pouvais y aller, que j'avais des choses à dire. Il faut un peu de temps avant que ça se fasse. Et c'est plus lorsque je suis arrivé au Mas du Langoustier à Porquerolles où là j'ai senti le lieu, j'ai senti la cuisine qu'il fallait faire, enfin, ou que j'avais envie de faire dans cet endroit, et à construire petit à petit. Mais j'ai réellement été chef chez moi, parce que c'est un ensemble de choses. À Toulouse, quand j'ai ouvert à Toulouse, parce que voilà, je pouvais enfin mettre en phase une décoration, une vaisselle, je choisissais tout, et le service comme je l'entendais, voilà, donc c'est... Et une cuisine qui s'est affirmée de jour en jour. Et devenir chef, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose qui se construit Je crois pas qu'il y ait des choses innées. Moi, je crois beaucoup au travail, à l'opiniâtreté. Et on ne devient pas chef comme ça. On n'est pas chef. On a certainement des prédispositions. On est j'avais la fibre entrepreneuriale. Ça, c'est sûr que je suis quelqu'un d'indépendant. C'est un trait de caractère et que je voulais amener et imposer. Enfin, imposer le mot est fort, mais je voulais réaliser ma cuisine, exprimer mon univers et voilà. Mais inné, non. Je crois qu'il y a rien d'inné. Et quel genre de chef es-tu ? D'abord, je suis un chef qui a vieilli. Hein. J'ai commencé, j'étais beaucoup plus jeune. Non, c'est vrai que j'ai commencé, j'étais un peu dur en cuisine. Et je me suis aperçu que c'était pas toujours le bon message. L'humain compte beaucoup pour moi. Je suis quelqu'un de très sensible. Et les relations que je peux avoir avec les autres, avec mes collaborateurs, doivent être privilégiées, doivent être réfléchies. Voilà, et je préfère ça à la violence des mots. Donc je me suis énormément assagi, et c'est vrai que je n'ai pas la même, arrogance ou les mêmes comportements que dans le passé. Donc je crois que chaque individu a un potentiel, et un mauvais chef peut briser ce potentiel. Donc j'essaie d'aller chercher chez chaque collaborateur ce qu'il y a de plus positif au fond d'eux, ce dont j'ai besoin pour mon entreprise, mais qui pourra aussi leur servir pour s'épanouir. Après, ça marche pas tous les jours, ça marche pas tout le temps. Des fois, bon, il peut y avoir des incompatibilités. Bon.
Alors, il y a un petit rituel au restaurant le vendredi matin, c'est la messe. Oui. Vous prenez l'apéritif tous ensemble. Est-ce que ça contribue à l'ambiance du restaurant? Oh, c'est un peu anecdotique, mais c'est devenu institutionnel. C'est vrai que maintenant, tous les vendredis midi à 11h30, une fois que la mise en place est terminée, avant de, puisque le vendredi est le dernier jour de la semaine pour nous, étant fermé le samedi dimanche, je tiens à faire ce petit pot avec tout le monde, toute l'équipe. On se retrouve en cuisine et bon, il y a toujours un vin, un champagne à goûter, et puis les cuisiniers préparent deux trois choses à grignoter. Et ça, c'est, oui, c'est important. Ça fait partie de ces petites choses qui permettent, même si elles paraissent pas très importantes dans un premier temps, elles participent à la bonne entente d'une maison. Et ça, c'est quelque chose qu'on faisait à Eugénie Les Bains. Pourtant, c'était pas Michel Guérard qui l'avait initié, mais on avait besoin de passer un moment ensemble. Et justement, ton chef exécutif est avec toi depuis 1995, Xavier Blancou. Ouais. Arnaud Ducroux, le directeur de salle depuis 2000. Tu les appelles tes mousquetaires, je crois. Ouais, c'est mes mousquetaires. Ouais, c'est des personnes importantes. C'est-à-dire que lorsqu'on veut, comme moi, se diversifier, ce que je fais de plus en plus. Oui, je me diversifie pas mal. Il faut que le vaisseau amiral continue d'avancer. Et c'est vrai que ils en ont un peu la responsabilité. Donc moi, je trace la route. Et ensuite, ce sont mes lieutenants qui veillent au bon fonctionnement et à ce que la philosophie de la maison reste suivie, quoi. Et je me demandais, comment tu fais pour garder une bonne partie de ta brigade à l'heure actuelle, alors qu'il y a des gros problèmes de recrutement dans le alors, milieu? Alors, je suis comme les autres. C'est effectivement mes lieutenants, mes piliers sont là depuis très longtemps. Je crois qu'ils sont, ils partagent mes envies et ma vision de la restauration. Après les équipes, j'ai eu des équipes stables pendant très longtemps. Cette année, ça a changé un petit peu. Il a fallu refaire une partie de l'équipe parce que je suis pas à l'abri de départ, de petits couacs. Il y a eu un petit couac cette année parce que le fait de trop partir, ils se sont sentis un peu abandonnés quand même. Et ça c'est de ma faute. Je m'en veux parce que je ne l'ai pas vu, je l'ai pas anticipé. Bon, là, on reconstruit. Ça y est, ça prend un peu de temps à retrouver un état d'esprit, une envie, une bonne entente. Mais voilà, c'est très fragile. Et c'est vrai que on est dans un secteur d'activité. Je sais pas si c'est partout pareil, où on a du mal à recruter. Ce qui est un peu paradoxal parce que justement les émissions que l'on voit qui je sais pas donnent une image qui est plutôt positive de la restauration. Fait que je crois qu'il y a de plus en plus d'inscriptions dans les lycées hôteliers, dans les structures pédagogiques, mais après on n'a pas le même engouement. Alors à quoi ressemblent tes journées aujourd'hui? Est-ce que tu cuisines encore? Je cuisine, oui, ça m'arrive de cuisiner. Demain par exemple, j'ai un atelier pour le groupe pour un groupe de restauration collective pour lequel je travaille, qui est le groupe Elior. Donc c'est moi qui serai en cuisine avec eux, je vais faire de la formation à des chefs. Je cuisine lorsque je fais des essais pour mes plats. Après, je cuisine pas au quotidien. Mes journées, elles sont articulées entre toutes mes activités. Donc, il y a le démarrage d'un restaurant. Ça, c'est, il y a beaucoup de choses à penser. Je travaille sur la prochaine carte de TGV en ce moment. Donc là, il faut concevoir les plats. Je vais le faire avec Xavier. Enfin, mais moi, j'ai déjà fait les lignes. C'est moi qui impose les plans. Après, mes journées, elles commencent tôt, elles finissent tard. Il y a le lancement du livre, quelques émissions, des déplacements sur Paris, des allers-retours sur Paris. Vendredi, samedi, je fais un aller-retour parce que je viens à la librairie gourmande. Elles sont très remplies et très variées. J'ai pas de journée type finalement. J'ai pas de journée type. J'essaie d'être le plus possible dans mon restaurant au moment des services parce que je crois que les clients aiment bien me voir aussi. Il y a une attente et avec l'effet Top Chef, ça s'est accentué. Il y a des personnes qui viennent de très loin, mais plus pour me voir finalement que pour manger. Et voilà, donc j'essaie d'être là. Est-ce que tu te sens plutôt chef, restaurateur ou cuisinier? Chef, restaurateur ou cuisinier, je conçois mal qu'on puisse être l'un sans l'autre. Je suis chef, restaurateur, cuisinier, chef d'entreprise.
Voilà, c'est pour moi, j'ai toujours voulu vivre de mon métier. Ça a été une priorité. Bon, je trouve que c'est déprimant de faire un métier et de pas arriver à en vivre, et être indépendant financièrement. Quand j'ai vu la fragilité de notre métier, de la gastronomie, très vite j'ai essayé de me diversifier pour apporter un complément de revenus. Et bon, aujourd'hui, je pense que j'y suis. Enfin, ça va. L'objectif est atteint. Après, bon, ça demande beaucoup d'énergie, mais il faut être un peu tous les volets. Il faut être, je dis chef d'entreprise parce qu'il faut aussi analyser la gestion de son restaurant et savoir où le bât blesse, si on a de mauvais ratios, pouvoir réagir rapidement. Bon, être chef par rapport à ses équipes, être cuisinier parce que le point de départ, c'est quand même ça. C'est une carte qui va séduire et qui va faire que des personnes viendront, que les guides sanctionneront de façon positive. Ah, c'est un peu tout. Qu'est-ce que représente la cuisine pour La toi? cuisine, ça, c'est ma vie un peu. C'est mon métier, c'est ma vie, c'est mon moyen d'expression. Je raconte, c'est ce que je dis un petit peu dans mon livre d'ailleurs. La cuisine, c'est du partage. Bon, puis c'est la cuisine, mais c'est la gastronomie, parce que la cuisine, ça répond à une fonction vital. On a besoin de manger 3 fois par jour, mais après la gastronomie, c'est apporter un peu de dorure, de fun, de sexy à tout ça. C'est pas une passion, par contre. Souvent, on me dit, ah, c'est un métier de passion. Rien du tout. Ouais. La passion, c'est dévastateur. Une passion amoureuse, c'est tout sauf bien, quoi. On souffre, on fait n'importe quoi. C'est pas raisonnable, une passion. Donc je le vis pas comme ça. Je le vis comme un métier que j'ai choisi, même si au départ, hein, comme je te disais, je pensais pas que ça m'offrirait autant de plaisir et de bonheur. Mais aujourd'hui, la cuisine, ça reste, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma vie. Donc tu parlais de ton livre Itinéraire de goût, qui Ouais. a été écrit par une géographe, enfin, docteur en géographie, Géraldine Pellé. On découvre un peu tous ces mondes qui se cachent derrière une recette Oui. dedans. La cuisine, c'est pas que de la cuisine. Non, c'est pas que de la cuisine, c'est ce que je dis, à itinéraire de goût, ce sont ces histoires. C'est parce que finalement, dans ce livre, il n'y a que 16 recettes, donc c'est pas un livre de recettes. Mais Géraldine, qui est un peu à l'initiative, qui est complètement à l'initiative du livre, a voulu retracer toute l'histoire d'une recette et ce qu'il y avait derrière. Donc la notion de territoire est importante dans ce livre, où chacun a ses propres territoires, ses amis, ses envies, ses amours, sa femme, son chien, enfin je sais pas. On a chacun, on dessine notre vie dans des territoires dans lesquels on évolue. Et le livre, c'est un petit peu ça. Et donc, elle explique, par exemple, la soupe de foie gras à l'huître de Boulogne, quel est le parcours et quels sont les territoires sur lesquels j'ai été. Et c'est l'histoire de base, c'est ma rencontre avec Alain Ducasse. Et comment j'ai voulu l'interpréter ou l'exprimer à travers une recette, avec l'huître, voilà. Est-ce que toi, tu avais déjà senti ou ressenti tout ça avant qu'elle l'exprime Oui, clairement? complètement. La genèse du livre, c'était son doctorat en géographie, où elle a souhaité, elle travaillait sur les territoires, sur le territoire midi-pyrénéen et sur le port nord de Bigorre. Pour illustrer ça, elle m'a demandé de venir en cuisine, de vivre les recettes, mais de A à Z, c'est-à-dire qu'avec la recette pure, le déroulé de la recette, et ensuite, on faisait la dégustation du plat, et là, elle enregistrait mes commentaires. Donc je l'expliquais comment la recette était venue. Donc elle n'a fait que retranscrire ce que je lui donnais, mais cette notion d'histoire, c'est moi qui lui ai donné les explications. Un exemple qui est la recette de haricots tarbets. L'idée de cette recette est venue au Japon, puisque j'ai été de nombreuses fois au Japon, et lors d'une cérémonie du thé, dans la cuisine kaiseki, il y a très peu il y a pas de pâtisserie, ils n'ont pas cette tradition pâtissière. Mais à la fin de la cérémonie du thé, ils servent la suki, qui est la pâte de haricots.
Et quand j'ai mangé ça, ça a été révélateur. Et je me dis, tiens, mais c'est curieux comme approche. Le sucré, il l'aborde par un féculent et par le haricot. Après, en réfléchissant, je me dis, mais nous, on fait bien du riz au lait. Et c'est là que je me dis, mais tiens, pourquoi pas travailler le haricot d'une façon différente. Et c'est comme ça que cette recette de haricot tarbert en mousse légère, qui sont des haricots qui sont cuits dans du lait de coco et du vieux rhum, avec une glace marron glacée. Enfin, voilà, j'en ai fait un dessert. Hein. Voilà un petit peu un type d'histoire. Qu'est-ce qui guide ta cuisine? Ma vie, mon quotidien, mes envies, mes souvenirs, des rencontres. Voilà, c'est ce que je suis. Quand j'exprime, on exprime ce que l'on vit. Et donc, c'est ma vie. Moi, je suis pas un technicien. Tout ça, ça m'intéresse pas. Je suis pas ébahi par des prouesses technologiques. Ça me fait pas kiffer. La technologie, ça vient juste servir, mais ma recherche, c'est l'émotion. Je suis plus là-dedans. Justement, à travers ta cuisine, est-ce que tu cherches plutôt à surprendre, séduire, déstabiliser, faire voyager, nourrir, apaiser? Un peu tout ça. C'est un petit peu tout ça. Il faut que ce soit vivant. Il faut lorsqu'un client me dit qu'il a été ému par un plat, bah alors ça, c'est un grand compliment. Mais c'est un ensemble de choses. C'est aussi, surprendre un peu, ne pas être sur. Moi, je me considère pas comme le patrimoine gastronomique traditionnel. Je le réfute pas. Je m'y appuie dessus, mais ça me fait pas kiffer, quoi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est demain, c'est le. De savoir que nos habitudes alimentaires ont changé parce que les données sociologiques ont évolué, qu'une ville, parce que je me considère comme un cuisinier urbain, je travaille dans la 4e ville de France, que c'est pluriethnique, qu'il y a des marchés exotiques, etc. Donc tout ça, j'essaie de le retranscrire dans ma cuisine et d'apporter, que le résultat puisse être surprenant, plaisant, parce qu'on est là pour plaire, hein, c'est de la séduction, la cuisine aussi. Pour plaire, raconter des histoires qui peuvent susciter de l'émotion. Tu viens de dire que tout t'inspirait. Ouais. Est-ce que t'as la création facile? Non, ça c'est pas facile. C'est pas facile la création, c'est vraiment la feuille blanche et puis on est rythmé par les saisons qui vont nous apporter tel produit et quand un produit arrive, la truffe en ce moment, les Saint-Jacques qui sont arrivés pas très longtemps, bon là il faut qu'une recette sorte d'un cahier quoi. D'un cahier parce que moi je commence mes recettes comme ça, je commence à travailler sur une feuille de papier, à dessiner mes recettes, à les construire de façon virtuelle. Et bon, il y a des jours où on sent que je sens que je pourrais faire 2-3 cartes, et puis il y a des semaines où il y a rien qui vient. Et il y a des jours où il y a certains éléments extérieurs qui font qu'on a envie d'exprimer des moments qui peuvent être joyeux, d'autres tristes. Je pense à la disparition de ma mère. C'est vrai que ça m'a amené des plats. Voilà, mais c'est jamais facile. Mais c'est ce que j'aime le plus. Dans le livre, tu dis « Jean-Luc me fait plus vibrer que sa tomate ». Ouais. Est-ce que les gens t'inspirent plus que les produits ? Ils m'inspirent pas, mais je suis très attaché. Je suis très attaché aux rapports humains. Jean-Luc est un ami d'enfance. C'est vrai que il me fait des légumes, des petites salades. Il me fait des produits merveilleux. Je suis un peu à l'origine de cette activité, mais c'est aussi un garçon avec lequel j'ai grandi. Il est de mon village et j'aime bien avoir derrière un beau produit, il y a forcément une personne attachante, intelligente, et j'aime bien connaître les gens. Ouais. Est-ce que tu considères que ta cuisine a une identité? Ah ben ça j'espère bien. sinon je me jette par le balcon. Je pense pas faire la cuisine d'un autre. Sinon mon discours ne voudrait plus rien dire. Si je considère que c'est un moyen d'expression, je raconte que mes histoires et ma vie. Donc elle a mon identité. C'est pour ça que je ne fais jamais participer les gens de mon équipe à la création. C'est ta propre cuisine. C'est ma propre cuisine sur l'enseigne, c'est restaurant Michel Saran. Et les personnes qui viennent, ils viennent chercher ma cuisine.
Dans ton livre, tu dis aussi que tu t'es jamais rien interdit. Est-ce que tu t'es vraiment jamais rien interdit? Je me suis jamais rien interdit, ça veut pas dire que j'ai tout visité et que j'ai tout tout essayé, mais je n'ai pas de blocage. Au départ, quand j'ai voulu faire la soupe de foie gras à l'huître, par exemple, qui aujourd'hui, bon, ben voilà, on s'est habitué, mais au départ, c'était un petit peu choquant de mettre de l'iode avec du foie gras. Et ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'après, c'est un travail de conception, d'harmonisation. Je pense souvent, et je le cite souvent, à Paul Bocuse qui a eu cette phrase ô combien intelligente, il y a deux cuisines, la bonne et la mauvaise. Et ça, c'est tellement vrai. Après, c'est une histoire de, le travail du cuisinier, c'est de faire une symphonie harmonieuse. C'est dans ce sens que je disais, culinairement, je ne m'interdis rien. Alors maintenant, on va passer à l'aller-retour. C'est une interview dans l'interview. Tu vas devoir répondre du tac au tac. Ton âge, 56. ton signe astrologique, Bélier. ton plat signature. La soupe de foie gras à l'huître de Belon. Quel est le plat dont tu es le plus Je fier? suis pas fier longtemps des plats. Je suis pas fier longtemps des plats. Le C'est dernier. j'espère que je serai très fier du prochain. Mais voilà, c'est à chaque fois l'attente. C'est la douleur de la création. On est devant une feuille blanche. C'est pas toujours simple. On sort une recette, on est satisfait de la recette, et puis après, c'est à nouveau le doute. Je suis toujours dans le doute. Après, bien sûr, j'ai la soupe de foie gras à l'huître de Boulogne, c'est un plat qui synthétise un petit peu le début de mon histoire de cuisinier. Donc celle-là, elle est toujours présente au restaurant, et je pense pas, même si je l'ai fait évoluer, c'est une recette que j'aime bien. Mais après, bon, voilà, je suis pas. C'est un ensemble de petites scénettes, une carte et avec des morceaux de vie. Ton plat préféré? Ça dépend des situations. Que t'aimes manger? Non, mais il y a plein de choses que j'aime manger, mais ça dépend des moments, avec qui, à quel moment de l'année. Enfin, il y a plein de choses que j'aime bien. Ça peut même être une pizza. Ça peut être une fricassée de poulet à l'oignon, comme faisait ma mère. Ça peut être le hachis parmentier à la truffe que faisait Michel Guérard. Ça peut être un plat complètement starbé de Ferrand Adrià. Ça peut être tout ça parce que j'ai des moments où j'ai été ému avec une truffe au chou chez Michel Lorrain. Enfin, il y en a plein. Quel est le chef que tu admires le plus? Michel Guérard a pour moi eu une importance énorme. C'est quelqu'un, oui, pour lequel j'ai une grande admiration. Ton ingrédient préféré? La truffe. Ton ingrédient détesté? Les abats. Ton ustensile fétiche? Un couteau japonais. Ton dernier meilleur repas? Mon dernier meilleur repas. Mon dernier meilleur repas. Je ne sais rien. Le resto que tu aurais aimé ouvrir? N'existe pas. Le plus beau compliment qu'on t'ait fait. Bah, c'est même pas. Le plus beau compliment, c'est des larmes sur un repas. Et la pire critique? Ah, la pire critique, c'est. Malheureusement, on en lit des fois sur les sites participatifs et on voit des choses qui peuvent faire très très mal et ça, il faut l'encaisser. Mais pour moi, c'est toujours douloureux et la dernière en date, c'est un monsieur qui explique qu'il est venu et que. Mais que bon, je suis pas sympa, que l'équipe est pas sympa, que voilà, et c'est, je crois, l'opposé de ce que moi j'essaie de faire, et on a quand même beaucoup d'avis qui félicitent pour le service, pour l'ambiance qu'il y a. Voilà, et bon, certainement qu'il a pas compris, on peut pas plaire à tout le monde, mais quand la critique est écrite, elle fait souvent mal. Tu es jury Top Chef depuis 4 ans. Ouais. Est-ce que c'est plus dur d'être jugé ou de juger? Tout est difficile. Être jugé, c'est compliqué parce que on comprend pas toujours les jugements. En plus, aujourd'hui, avec Internet, tout le monde peut donner son avis sur tout. Donc, c'est bien. Et en même temps, il y a le revers de la médaille parce que tout le monde n'a pas des choses extraordinaires à exprimer, quoi. Et ne le fait pas toujours dans un très bon français, en plus. Même si je pense pas, moi, à maîtriser la langue française parfaitement, mais enfin, des fois, on lit des critiques qui sont difficiles. Mais juger, c'est difficile aussi, juger les autres. En plus, je suis pas du tout concours. C'est pour ça que j'aime pas placer les premiers, les deuxièmes, savoir quel est le meilleur plat, le meilleur chef, le meilleur matin. Je m'en fous royalement. C'est pas
pas du tout ce que je recherche. Moi, je cherche à passer des moments, à avoir des émotions à un moment donné. J'aime pas ce besoin de juger toujours tout. Quelle est votre couleur préférée, quel est votre morceau de musique préféré, quel est le meilleur cuisinier, le meilleur musicien, le meilleur machin. C'est pas ça la vie, c'est pas ça, c'est pas chercher à savoir toujours quel est le premier, c'est juste profiter des moments, profiter des bonnes personnes au bon moment, enfin voilà. Quand on m'a demandé d'être juré de Top Chef, au départ j'ai dit non, parce que justement je me sentais pas juge. J'ai aussi refusé d'être jury du concours de MOF, parce que je suis pas MOF. Qu'est-ce que je vais aller juger des types qui, bon, ont choisi de faire ce concours et de se mettre en danger, bon, et de vivre ces moments difficiles. Mais moi, je me sens pas assez technicien pour juger. Et Top Chef, au départ, j'étais vraiment pas chaud. Et puis, bon, ils ont insisté pour que je fasse le casting. Et puis, voilà, après, on m'a confirmé que j'étais choisi et ça fait 4 ans. Et il n'en demeure pas moins vrai que je prends beaucoup de plaisir dans cette émission parce qu'il y a de belles histoires. Et il y a de très belles histoires et les rapports que l'on peut avoir avec les candidats et avec les autres membres du jury sont vrais. La cuisine est au centre de l'émission. Je m'y sens pas mal. Après, le fait que ce soit un concours et qu'à la fin il n'en reste qu'un, bon, je me dis c'est eux qui l'ont choisi, ils savent, c'est comme ça. Moi je le ferai pas, ça c'est clair. C'est une belle aventure pour moi. Ouais. Avec Top Chef, tu as eu des demandes un peu folles, dont une demande en mariage, je crois. Ton resto est plein plusieurs mois à l'avance. Est-ce que tu t'attendais à cet effet ? Non, pas du tout. Ça a été l'effet d'une bombe. Je me souviens à la fin du tournage de la première année, une personne de la production m'avait dit « Tu sais, ta vie va changer ». Et j'avais pris ça un peu à la rigolade en me disant qu'est-ce qui va changer ma vie, je continuerai à avoir de bras, de jambes et avancer à faire de la cuisine. Je me dis tu n'imagines pas. Et effectivement, je n'imaginais pas. C'est une espèce de tsunami. Ça a été un tsunami. Il y a la vie avant et la vie après Top Chef. Aujourd'hui, Top Chef, on en parle tous les jours. Top Chef fait que le restaurant est plein. Effectivement, là en ce moment, on est en décembre pour avoir un déjeuner. On réserve pour le mois d'avril. Et puis tout ce que ça génère derrière, on devient personnage public. C'est quelque chose aussi auquel je ne m'attendais pas. Dans la rue, il y a de nombreuses sollicitations. Ça m'a des sollicitations professionnelles aussi, beaucoup. C'est un accélérateur terrible, ce pavé noir là qu'on accroche au mur. Tout s'accélère très très vite. Et il faut faire attention parce que pour moi c'est pas la vraie vie. Je sais que ça va durer un temps et puis après l'émission passera à quelqu'un d'autre, autre chose, d'autres émissions et après on retombera dans l'oubli, peut-être pas dans l'oubli complet, mais c'est une période de ma vie qui a permis de me faire connaître, que je vois des Belges, des Suisses qui viennent juste qui font le déplacement pour venir manger, font des allers-retours. C'est complètement fou, quoi. Et à chaque fois que je leur pose la question, oui, c'est Top Chef, c'est l'effet Top Chef. On dit qu'une étoile, c'est 20% de clientèle en plus, et une place dans de juré Top Chef, c'est combien ? Je suis même pas sûr qu'une étoile, ce soit toujours 20% de clientèle en plus. Mais moi, Top Chef, là, je peux dire que c'est pratiquement 30% de clientèle en plus. Mais on travaille déjà très bien, mais c'est surtout les délais de réservation, quoi, là, qui sont à gérer. T'es obligé, j'ai un onglet sur mon site internet pour offrir des repas. J'ai été obligé de l'enlever. Parce que on a aujourd'hui, je crois que c'est 3 mois pleins de cadeaux. Donc, à l'approche des fêtes de Noël, où je sais qu'il y a une demande terrible, j'ai fait stopper. Et donc tous les jours on a des demandes, mais comment vous ne l'avez plus? Et ça je l'ai senti aussi, la montée est venue en même temps que Top Chef. Je crois que l'année passée on a fait au moment des fêtes de Noël 1 mois de chiffre d'affaires à mon cadeau. C'est colossal. Et on a une petite maison qui fait 50 couverts par service, donc il y a des moments il faut savoir, là j'ai arrêté. Tu as eu ta deuxième étoile en 2003. Et tu dis que c'est un des plus grands chocs émotionnels de ta vie. Oui. Comment tu vis avec la pression des étoiles ? On vit avec.
on vit avec, c'est difficile. C'est une vraie pression. C'est difficile, oui, c'est une vraie pression. On voit, on voit ce qui s'est passé cette année avec Michel, avec Sébastien Bras, qui a dit non, moi j'en veux plus de cette pression. Oui, c'est difficile parce que tant qu'on les a, ça va. Et puis on sait très bien que c'est remis en question tous les ans et que si je perds une étoile, ben qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va réellement changer ma vie? Peut-être pas. Peut-être que oui, j'en sais rien. C'est surtout au niveau des contrats que je peux avoir en parallèle. Et on est sur des systèmes économiques très fragiles. Or, l'étoile, c'est pas un titre que l'on a ad vitam aeternam, comme un César ou un Oscar. Une fois qu'on l'a, on l'a. Nous, non, l'étoile, c'est remis en question tous les ans. Et cette pression, je suis 56 ans, je suis encore comme un gamin à l'école qui attend sa note, quoi. Et quelquefois, c'est dur. Ouais. Ça fait 22 ans que ton restaurant est ouvert. Quel est le secret de la longévité? Il faut que le discours culinaire plaise, que l'environnement plaise, que économiquement ce soit bien géré, parce que ça aussi ça peut aller très vite. C'est vrai que depuis juin 95, on n'a jamais eu de grands trous et de mise en danger du restaurant. J'ai toujours payé mes fournisseurs et mes employés en temps et en heure, et c'est une fierté parce que j'ai fait un choix au départ qui, je pense, est le plus important. C'est-à-dire, un restaurant, il faut un potentiel de clientèle. J'aurais pu m'installer dans le Gers, mais ça, je ne me suis pas senti capable. Pas le courage parce que le potentiel n'y était pas. Alors, j'aurais eu une histoire à raconter, la mienne, celle d'un cuisinier gersois. Mais je savais qu'en allant dans une ville comme Toulouse, j'aurais au moins un potentiel. Après, à moi de faire venir les clients et de les fidéliser. Bon, et puis il y a plein de choses. C'est vrai que Top Chef est venu. À chaque fois, il y a des étapes qui viennent consolider un petit peu le noyau de clientèle, voire l'élargir. La diversification dont tu parles, ça fait partie aussi du secret. C'est une fois de plus, c'est une activité qui est fragile économiquement. Pour la pérenniser, il faut avoir des bases solides et il faut, en tout cas, moi c'est le choix que j'ai fait, c'est la diversification permet d'apporter de l'oxygène et des euros pour pouvoir continuer à acheter des vins, à refaire le, parce que c'est un restaurant gastronomique doit être un lieu qui vit. Et bon, quand on n'est pas dans des palaces où l'argent est plus facile, il faut se battre. Mais il faut exister, donc il faut des revenus parallèles pour pouvoir continuer à faire vivre nos maisons. Voilà, les décos, je les refais à peu près tous les 3-4 ans, quoi. Donc c'est des coûts importants. J'aimerais parler de tes loisirs, tes drôles de loisirs, la moto, la course automobile, l'avion. Ouais. J'aime bien. À une époque, j'ai fait un peu de sport, pas longtemps, mais j'ai fait le marathon de New York. Ça c'est douloureux. Après, moi j'aime bien les moteurs. Donc je pilote. Ouais, je pilote. Mon grand plaisir c'est l'avion quand même, le pilotage avion, parce que c'était un exutoire terrible. Justement par rapport à toute la pression que je peux avoir au quotidien. Quand je monte dans un avion, je ne pense qu'à ça. Et c'est conseillé, parce que c'est quand même une mise en danger. Il faut être vigilant, il faut être attentif, et j'aime ça. J'aime ça, mais à côté de ça, c'est une évasion aussi terrible, quoi. Quand je prends mon avion, que je traverse les Pyrénées et que je vais sur mon île, où ma maison m'attend, alors là, c'est pour moi, c'est le bonheur. Et après, les courses automobiles, bon, c'est venu un petit peu comme ça, mais j'ai toujours besoin de nouveaux défis, en fait. Et avec une petite mise en danger, ouais. Mais ça me correspond bien. Et sinon, tu signes des plats pour le TGV. Oui. Tu n'avais pas peur qu'on te fasse des reproches par rapport à ça? Je m'en fous, je les assume. Là, je sais qu'il y a un journaliste qui a refusé qui a refusé de nous recevoir par rapport au livre à cause de ça. Je trouve ça minable. Je
touche pas à tout le monde, je trouve ça minable. Moi, j'ai travaillé avec un type qui s'appelle Michel Graff, qui a travaillé pour Findus et pour les surgelés Findus. À l'époque où il est rentré chez Findus, le surgelé était très pauvre au niveau de la gamme. Je crois qu'il a apporté beaucoup à cette industrie. Qu'est-ce qu'il y a de honteux là-dedans? Si je faisais juste que signer les plats, j'accepterais la critique. C'est pas le cas, parce que les plats, je les conçois, je les suis, je les déguste toutes les semaines, je fais tout pour améliorer, et c'est très dur. C'est vraiment, je sais que le challenge est énorme, mais voilà, je l'assume. Et je me dis, on peut améliorer, et on doit améliorer. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire. Les retours sont plutôt positifs, hein, depuis, ça fait un an que j'y suis, mais j'ai pas honte. Et je pars toujours du principe que qui peut le plus peut le moins. Je travaille aussi pour les cantines scolaires, aussi pour les entreprises, aussi pour la santé, et c'est la réalité aujourd'hui. La réalité des repas servis, c'est laquelle? L'immense majorité, c'est servi par des sociétés de restauration. Nous, étoilés Michelin, on représente quoi? On représente 2% de cette activité, de la restauration. C'est que dalle. On s'adresse à des élites. Et alors, on ne peut pas faire autre chose? Oui, et l'idée, ce n'est pas de transformer les cantines en resto étoilé, mais d'apporter D'apporter un petit peu. Un plus. D'apporter un plus, essayer de travailler avec les contraintes qui sont. Et puis là, je pourrais en parler des heures et des heures. Parce qu'il y a des contraintes économiques, enfin, il y a tout un tas de contraintes. Bon, ben, simplement essayer d'améliorer un petit peu. Voilà. Pareil pour le TGV, voilà. Mais c'est des gros volumes, c'est un gros gros challenge. Et des grosses contraintes aussi. De grosses contraintes puisque les cuisines d'un TGV, c'est quoi en fait? C'est un micro-ondes et un toaster. Et c'est un peu limité, donc il faut faire avec des un chargement des trains qui se fait uniquement sur Paris. Bien sûr que l'idéal serait d'avoir quelqu'un qui fait un sandwich dans un bar, mais ça c'est pas moi qui le décide. C'est pas comme ça. Donc après je peux dire quoi? Moi je refuse parce que j'estime que les conditions ne sont pas réunies pour faire un bon produit. Oui c'est vrai, mais moi je refuse pas. J'y vais. Justement, en parlant de cuisine, c'est la fin, et on a faim. Est-ce que t'as une petite recette que tu fais à la maison, pour tes filles, pour... Oui, alors, une recette très simple de saison, qui est un croque-monsieur, mais à la truffe. Voilà. Tu fais comment? 2 tranches de pain de mie. On peut mettre un peu de fromage de pure brebis de la vallée d'Ossau. Une tranche de jambon blanc, on va prendre chez son charcutier, le meilleur que l'on trouvera. Quelques lamelles de truffe, un peu de beurre. Et le tour est joué. Un toaster, enfin, ou un appareil à croque-monsieur. Et plaisir garanti. Merci Michel Sarron. Avec plaisir Julie Gerbé. Vous pouvez goûter ce qu'il a dans sa poêle à Toulouse, dans son restaurant gastronomique éponyme, situé au 21 boulevard Armand du Portal, ou à la Biche sur le Toit, sa nouvelle table, perchée au-dessus des galeries Lafayette. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par San Diego Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'À Poil sur iTunes ou sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur Instagram. Si vous vous êtes régalé, surtout n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles.